Bonne nouvelle, demain nous n'avons aucun orage, très beau ciel bleu. Bah super, heureusement qu'il n'était pas censé y avoir de nuages. Moi j'adore la pluie. Oui, bien sûr, chaud. C'est Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique aussi. Et voilà, nous sommes les premiers hommes à avoir découvert l'Amérique. C'est fou, personne ne la connaissait avant. Bah si, nous, on était déjà là. Personne ne la connaissait avant. Bonjour. Ah, mais qu'est-ce que tu fous dans mon appart? T'es qui, toi, bordel? Moi, c'est Toby. Mais Toby, tu peux pas entrer chez les gens comme ça. Mais t'es pas un genre, t'es chance. Mais... En fait, elle m'a demandé de venir sur Paris pour la démonter, pour l'aider à démonter un meuble. Pour l'aider à démonter un meuble. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des putes comme des potes comme toi. Eh, hey, prévoyez un temps naze pour demain, quitte à vous tromper, autant qu'il fasse beau. Eh, hey, on peut pas tout prévoir non plus. Bah, elle sert à quoi, la météo, alors? C'est des approximations. Bah, super, vos approximations. Ça fait 5 jours que mes t-shirts me servent de chiffon. Bon, Didier, qui c'est qui fait les calculs, là? Bah, c'est Louis, le stagiaire. Louis, tu pourrais être un peu plus précis, s'il te plaît? Ouais, tu commences à nous les briser, là, Louis. Ouais, désolé, j'arrive plus à savoir quel temps il fait le lendemain. Mais comment tu faisais avant? Au pif? Bon, en tout cas, ce soir, on peut pas se tromper, il fait beau. Je suis le maître de l'infiltration. Ah. Non, mais je te vois, là. Quoi? Je te vois, c'est toi qui joues avec l'interrupteur. Je joue pas! Ah bah, faut savoir, la dernière fois, tu disais qu'on faisait un jeu. Bon, ça suffit. Non, mais c'est n'importe quoi, ce mouvement. Le couteau, il faut qu'il aille de bas en haut quand tu débutes. À la limite, si tu veux assommer le mec, tu peux lui donner un coup à la tête, mais sois plus furtif, regarde, comme ça. Allez, Toby, débarrasse-moi ça et rentre chez toi. Moi, j'ai pas de chez moi! Ah, c'est emmerdant, ça. En fait, ils ont pris une pierre et du fer et ils ont commencé à faire des étincelles. On est fort quand même, on a réussi à inventer le feu. Ok, donc nous on s'est fait catapulter nos darons quelques minutes plus tôt par une giga météorite, il faisait assez chaud pour allumer un continent entier, mais non, je pense pas qu'il y avait le feu. Bah t'en sais rien, t'étais plus là pour le voir. Eh, hey, t'as pas le droit, t'existes pas. Vous pensez bien que cette invention a révolutionné l'humanité? Ils ont pas inventé le feu. Quoi? Bah c'est pas les hommes qui ont inventé le feu. Vraiment, c'est pour visiter Paris, hein. Bah ouais, pas de soucis, mais pourquoi tu te justifies comme ça? Bon ok, je vais voir ta meuf en vrai, mais c'est parce qu'elle voulait me faire visiter. Quoi? Elle me l'a pas dit ça. Ouais, en fait, t'étais pas vraiment censé savoir parce qu'on y va pas vraiment pour visiter des musées, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Enfin, non, je voulais pas dire ça, je voulais dire que j'y vais aussi pour la prendre. Pour la quoi? Enfin, pour prendre le métro. Ouais, prendre le métro, ouais. Et ça t'enjaille de prendre le métro? Bah ouais, j'ai jamais pris le métro, et j'ai jamais pris ta meuf non plus, hein. Quoi? Mais c'est une dinguerie de lancer des phrases comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma meuf? Bon, ok, pardon, je sais pas mentir, tu veux la vérité? Non, je veux la vérité. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, excuse. Ok les gars, je suis là dans 10 minutes. Mais sérieux, t'es déjà au sol, on a dit qu'on s'attendait pour sauter. Chose, on fait une partie sérieuse là. Comment ça, pour sauter? Pas sauter de l'avion. Ah, vous êtes venu en avion, vous? Comment ça, on est venu en avion? Chose? On a fait la guerre. Non, s'il te plaît, me dis pas que... Si. C'est un malade. Mais il est fou, ce type! Non, mais c'est vous! Vous m'avez dit, mets ton casque, on va péter du russe. Vous pouvez pas être plus clair, sérieux. Mais mon gars, ça t'arrive de poser des questions? Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bonjour, Chose. Tu veux jouer avec nous? Vous transpirez à longueur de journée, vous sentez le chien mouillé. C'est vraiment n'importe quoi ces pubs. Les gens s'évanouissent quand ils s'approchent de vous. Eh Chose, tu savais que... Essayez Super Déo, le déodorant qui effacera 80% de vos problèmes. Je vois pas en quoi c'est un problème depuis la mort. En parlant de problème, votre meuf vous a largué? Quoi? Non mais elle a dû se tromper de destinataire. Non, elle ne s'est pas trompée de destinataire. Regarde la vérité en face, Chose. Ça fait 5 semaines que tu réponds plus à ses messages. Oui bah, pardon de pas être connecté à H24. Elle demandait juste un minimum d'attention. Et toi, tu la regardes plus. T'as même pas remarqué qu'elle avait changé de coupe de cheveux. Excusez-moi de pas avoir vu que ses cheveux avaient raccourci de 2 cm. Elle est chauve maintenant. Ah ouais, quand même. Tu l'aurais vu, ça lui fait une tête. Elle est hideuse, vraiment. Aucun cheveu sur le caillou. Eh, doucement sur les chauves. Moi, je les trouve très beaux comme ils sont. C'est un désastre d'être chauve. Oui bah, ça va. On termine une course poursuite entre la police et lui jusqu'à ce qu'il croise un lapin malin qui lui avait creusé un trou spécialement pour qu'il s'échappe. Là, il sauta dans le trou et retrouva le lapin malin au terrier qui lui tint à peu près ce langage. Eh, hey, fais belle cocondé, toi. Eh oh! Eh oh! Ça va, je vous dérange pas? Non, ça va, vous en faites pas. J'ai une petite question. Oh, quoi? Vous êtes à la retraite? Oui. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez aller voir vos petits-enfants, vous pouvez partir un mois au Cap d'Agde, taper une sieste de 64 heures d'affilée, pêcher, adopter un poisson rouge, faire 3 fois le tour du monde, planter 38 cerisiers, aller voir vos amis, jouer à la pétanque, organiser une course de dauphins. Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Alors pourquoi vous avez décidé de me péter les oreilles tous les jours? J'adore les travaux. Tu sais où elle va finir ta perceuse si tu continues de faire des travaux à 6h du mat? Ah, oh, je sais pas, mais j'espère que c'est pas dans... Si, si, c'est là. Et au fait, elle t'a trompé. Quoi? Avec qui? Avec Papy Georges. Quoi? Mais il est mort! Ah, dégueu. Eh, mais... J'avais une meuf, moi. Bon, les gars, j'ai un otage à sauver. Quoi? Comment ça, un otage? C'est Toby, il est partout où je vais, ce type. Oh non, l'autre débile, là. Franchement, laisse-le, hein. Lâche l'affaire, Chose, t'as même pas d'armes. Ah, mais tu me prends pour qui? Tu crois vraiment que j'irai sans armes sur un champ de bataille? Oui. J'ai pris un petit couteau dans ma cuisine avant de partir. Oh, c'est pas avec un couteau à beurre que tu vas le sortir de là, hein. C'est vraiment un couteau à beurre? Oui. Bon, bah, désolé, Toby. Loupé! 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 On a fait la guerre!
Vous aussi, vous êtes dans le camp de choses. Oh oh. Les gars, je vais peut-être pas revenir maintenant. Tu m'as trompé, Woody. Après tout ce qu'on a vécu. En fait, j'étais qu'un trou pour toi, c'est ça? Eh oh, doucement. Déjà, je devais mettre des pièces à chaque fois dans ton trou. Bah vas-y, traite-moi de cochon catin, tant que t'y es. Je l'aurais plutôt traité de grosse cochonne. La ferme, Buzz. Eh, hey, ça va, je vous dérange pas. En vrai, c'est Woody qui a chauffé Buzz en premier. Woody, espèce de grosse... Merde. Ouais, on se calme. Ce serait dommage d'en arriver au décès de Monsieur Patate. Quoi? Mais j'ai rien demandé, moi. Ouais, mais je t'aime pas. Tu m'as toujours fait peur avec ta tête, là. Ce n'est pas gentil de sa part. Moi qui ai toujours été un bon jouet. Bon, on va trouver un arrangement. C'est parti tout seul. Vous êtes bien lavé, vous, hier, pour aller voir votre... collègue. Et comment ça, de quoi vous me parlez? Je fais des recherches sur vous. Sébastien Cruche, habitant du troisième étage de l'immeuble, juste en face de la boulangerie, arrosant ses plantes le matin de 8h à 8h15, allant au travail à 8h30 et revenant à 18h. Vous faites une sieste en rentrant, puis vous mangez, puis vous regardez votre série avant de vous coucher. C'est Outer Banks en ce moment d'ailleurs. Non, là tu me fais peur. Et t'auras encore plus peur quand je te dirai que j'ai vu ta collègue te raccompagner jusqu'à chez toi et t'embrasser pendant que ta femme n'était pas là. Sérieux, t'as vu ça? Eh oui, dommage pour toi. J'ai pas de femme. Quoi? Bah, j'ai jamais eu de femme. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu ta femme. Une année vous avez construit une piscine, l'année d'après le garage, la suivante le balcon, celle d'après le jacuzzi, ensuite la cabane de jardin. C'est bon, maintenant votre maison c'est une forteresse géante, alors qu'est-ce que vous avez décidé de construire cette année pour bien niquer mon sommeil? Un mur. Un mur? Mais pour quoi faire? Je sais pas, j'avais plus d'idée. Mais bordel, on n'est pas sur Minecraft! Quitte à construire des trucs, va faire un voyage humanitaire en Afrique, je sais pas moi. Ah non, j'aurais adoré, mais je suis raciste. Quoi? Bon, j'appelle les flics. Attends, quoi? Tu te brossais avec ma main gauche là? Non. J'ai vraiment pas de chance, sérieux. Même mon miroir, il est nul. Eh oh, 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 doucement, hein. Eh mon gars, t'oublieras pas de venir. Ah merde, il est là, lui. Non mais c'est ça, votre vie, sérieux. Vous attendez qu'on arrive devant un miroir pour reproduire tous nos mouvements. Vous devez bien vous faire chier dans votre vie pour faire ça. Et toi, tu te fais pas chier pour faire des batailles de regard et des pierres feuilles ciseaux tous les matins avec moi? Espèce de débile. Comment ça, débile? Je t'ai vu, toi, avec ta tête de moi. Non, de toi. Oui, de moi, pas de toi. Enfin, toi, c'est moi. Non, c'est toi qui es moi. Non, de toi à moi, c'est toi qui es moi. Ce que j'ai dit. Bon, tu me fais chier. C'est marrant, j'ai toujours pas reçu l'argent que tu me devais pour avoir cambriolé Fillon. Désolé, mon petit bonhomme. Je crois que vous êtes trompé de numéro. Moi, c'est Jean-Augustin. Ah, je suis désolé, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Allez, c'est ciao. Ton argent, tu peux te le mettre dans le paracroché, mon ref. Ah merde.